Bon. Alors, on est en 1904. L'État décide de les enfermer. Voilà. La police les arrête partout et les met dans cette île de Spinalonga, là, juste à côté de la crête, pour qu'ils y finissent leur jour. Isolés. Dangereux pour la société. Bon, ils s'installent là, ils s'organisent une vie, même dans ces conditions, même quand tu sais exactement pourquoi tu es là, pour crever, tu as envie de t'organiser. Et ça dure 50 ans. 50 ans d'enfermement sur cette île. Tout à coup, on trouve un moyen de lutter là contre. Les types ne sont plus condamnés. On peut refaire des projets. Alors, plus de raison de les enfermer. Donc, en 1956, on retire tout le monde de là et on les amène ici, dans cette station, près d'Athènes. Pour qu'ils se remettent avant de retourner dans le monde. Mais voilà, ils ne retournent pas dans le monde.